Lolo l'Africain. Lolo l'Africain, salut. Tu reviens quand tu veux, hein. C'est de revenir pour avril, l'année prochaine. Et tu pars quand tu veux aussi, hein. Il est là, le gris-gris. Mets-le dans la voiture. On retourne, on va le mettre comme ça. Le retour, c'est pas bien quand tu vas pas. Avec un petit fauteuil pour, c'est du poids qui sert à rien, pour le côté détente. On s'est dit que de temps en temps je serais fatigué. Mais non. Voilà. Fais les petites séquences. Laurent, jamais fatigué. Alors, là c'est 20 litres d'eau à boire. Alors je vais vous expliquer après comment je vais faire mon eau. Si j'en trouve dans un puits, c'est bien, on met quelques gouttes de désinfectant, et puis on peut la boire et tout, c'est nickel. Mets ma petite pompe dans la portière. Alors c'est là où ça va pas fonctionner. En fait, il y a de l'eau dans les pneus. Donc c'est bien, c'est neuf, c'est pratique. Attention à toi. Alors forcément tout est lourd, hein. Alors, au cas où que les pompes de transfert ne fonctionnent pas, j'ai un petit tuyau avec une poire avec les raccords qui vont bien, pour pouvoir, par gravité, aller directement dans le réservoir d'origine. Donc là, c'est pour ça que les cuves sont situées en haut. Voilà. Nous avons ici le compresseur, la réserve d'air, avec de quoi regonfler les pneus. Voilà. J'ai le fameux... Il n'y a pas d'essence, tu as prévu de pas t'arrêter quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'avec 260 litres d'essence, s'il n'y en a pas dans tout le pays, tu vas intéresser du monde. Hein. Donc nous avons ici le coussin gonflable. C'est pour dormir. C'est pour dormir. Quand la voiture est élevée, elle a ripé sur le côté. Ça commence bien. Ça va être un peu dangereux. Une mallette à outils. Pleine de pognon africain. Petite mallette à outils. Il n'y a pas besoin de ça. Si, il y a besoin. Mais le problème, c'est le poids dans cette auto. Donc on ne peut pas emmener trop de choses. Donc c'est vraiment le strict minimum. Nous avons un arbre de transmission complet au cas où. T'as prévu d'en péter un quand même. Oui, j'ai prévu de péter plein de choses. Nous avons la trousse avec pour le treuillage. Alors, nous avons une grande corde, nous avons un poulie de mouflage, nous avons des manilles et j'ai 4 anneaux. Si jamais je suis sur le toit ou couché sur les portes, qui viennent se mettre là. Ça, c'est pour l'hélicoptère qui ramène la bagnole à la voiture, c'est ça ? Ou éventuellement la litreuiller pour la mettre dans un bateau. Et toi, tu vas passer à la télé dans les routes de l'impossible. Le mec qui sort les camions et sa bagnole. Regarde. Voilà. Les pièces détachées. Donc, on a 2 caisses comme ça, donc un peu de tout. Hein. Un moteur. Il y a un peu de tout. Bon, c'est bon. Le cockpit. Le pilier, il va s'enflammer. Alors, on va démarrer le PC, les vidéos. On va démarrer les caméras. Voilà. Donc, j'ai la station de montage en direct. Donc là, je peux sélectionner mes caméras. C'est quoi ? Bah, c'est pour voir les caméras là, tu vois. Voilà. Donc ça sera du live différé, donc ça sera enregistré et dès que j'aurai un peu de connexion, bah, j'enverrai les vidéos. Donc voilà. Donc ça filme différents points de la voiture. Voilà, donc là. Tout en conduisant, tout en manière, ça va vite me gonfler et que je pense que la bagnole, je vais l'alléger au fur et à mesure des kilomètres. Ça sert à rien. Non, tu feras du troc. Donc voilà. Donc. Allez, allonge-toi. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on tombe sur au fond de la bagnole quelques casquettes. Toi, tu prévois plein de casquettes, mais pas de slip. Et les bas de chiche. Pour combien de mois là? Combien de mois ça? 5 mois. 5 mois. J'ai une petite un coup marron devant, un coup derrière, tu le retournes et tu refais, ça fait déjà 4 jours. Une petite écharpe au cas où que je sais pas. Oui, comme qu'il y a un vent de sable qu'il faut faire le beau. T'as pris des lunettes de motocross au cas où il y a des vents de sable. J'ai pris 2 petites serviettes pour s'essuyer les mains parce que je pense que j'aurai souvent les mains sales. À un moment donné, elles vont rester sales. Je pense, oui.
J'ai une polaire un peu épaisse. Il n'y a pas de chauffage en dedans. Ah, un truc qui va vous faire plaisir. Le traditionnel short Baroudland. Oh putain. Le traditionnel short Baroudland, voilà. Tu vas le changer un peu ou pas? Non. Il va même pas le laver. Il au cul, hein. Ça, là, j'ai tout neuf. Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Pas un Michelin soleil. Ah, ça, tout de suite. Je crois que c'est des petites culottes. Quoi, c'est tout? Ah ouais. Pour 5 mois? Alors, ouais. Alors, nous avons un gant pour se laver. Je vais vous montrer après comment je vais me laver. Donc le gant pour se laver. Bah, tu vas nous faire une démonstration de lavage. Nous avons deux paires de chaussettes. Oh putain. Nous avons 5 mois deux slips. Allez. T'auras pu en prendre un rouge. Bleu, hein. Le rouge, c'est au cas où que j'ai besoin de signaler. C'est pour la détresse. C'est important parce qu'on le met au bout d'une antenne. On peut le mettre sur le cul dehors aussi. Voilà, qu'est-ce que nous avons, dernier truc là? Et moi j'ai pas. T'as pris de la lessive? Bah oui, si, elle est en dessous là. On l'a vu. Pec. Alors ah ouais. J'ai deux t-shirts Mérinos, un manche courte et un version débardeur. L'avantage de ça, c'est qu'on l'a déjà testé en Transylvanie et tout ça, c'est que ça régule la température du corps. Et en plus, au bout de 15 jours, ça sent toujours bon, t'as pas besoin de le laver. Parce que c'est respirant. Ça absorbe. Ça absorbe. Donc c'est nickel. Et une petite chemisette, histoire de faire le beau s'il y a besoin. Et je pense que ça va vite être le bordel. Hein, au bout de 3 jours, ça va coucher, ça va plus être accessible. Alors, et t'emmènes le chien aussi? Non, c'est pas compliqué. C'est faut rentrer comme ça. Avec un sticker. Voilà. Et les pieds dans la boîte à gants. Faut mettre les pieds dans la boîte à gants et la tête dans l'arceau. Voilà. Et là, j'ai juste la longueur pour les pieds. Et t'as prévu le casque? Ah bah si je fais un cauchemar, il n'y a pas beaucoup, mais ça va, c'est pas mal. T'as testé déjà? Non. 10-5 minutes qu'il aura fait un bon. Il sera foutu. Il va vite être foutu. Ça peut te servir de plaque de désensablage. C'est ça. Il était travaillé sans menu. Alors. Pour gagner de la place et pas être emmerdé, t'aurais pu prendre un truc de camping gonflable avec le pied là. Non. Mais t'as pas le temps quand tu fatigues de gonfler au pied. Tu fais pas chier. Alors, ben là, nous avons des coffres de rangement. Alors, dans celui-là qui est le plus accessible, ça va être. La trousse à pharmacie, entre autres. Donc là, j'ai le booster, j'ai de quoi faire la lessive. Là, j'ai des. C'est encore du batchy, des conneries. Mais t'as des mecs, t'as des machins, t'as des pneus, des crevaisons. Ça, alors ça, c'est le système pour boire de l'eau. Quand elle est pas buvable. Faut aller le chercher déjà, putain. Oui, bon, enfin, tu sais. Ouais, t'auras le temps. Donc, c'est un système, il paraît. Je l'ai jamais testé, mais alors, tu mets ton tuyau là, t'aspires l'eau de la mare des canards, tu pompes. Et tu fais coin-coin. Et puis, t'as de l'eau potable qui ressort, soi-disant. Ah oui, donc, chose importante. Du PQ dans un sac étanche. Tout au fond planqué sous le machin et tout, putain, t'as pas intérêt à passer, hein. C'est-à-dire que j'en ai importé de mort. Ah, mais ça, c'est la réserve. Ouais, un sac étanche. Ouais. C'est constipé, hein. J'espère. Ben voilà, j'ai dans les coffres derrière et puis un petit peu devant, j'ai à manger. Donc j'ai 30 sachets comme ça qui font 220-250 grammes. C'est tous les mêmes, t'en as vite marre. C'est... Ouais, c'est vrai, y a de ce côté-là, nous avons un bidon d'huile moteur, et puis nous avons... Un seul bidon d'huile moteur. Ouais. C'est pour faire les bidons. Ah bah, j'achèterai de l'huile sur place. Oui, ah, parce qu'ils ont de l'huile, d'abord. Voilà. Ah, c'est la douche. Okay. Là, c'est la douche. Ah, de l'huile de gnou. Bon, tu me diras, au moins, il n'y a pas besoin de courant électrique. T'es sûr qu'elle tombera pas en panne. Parce que tout ce qui est à l'intérieur est top. Ça marche. Ça fonctionne, hein. Ah, il y a un chef. Chef, il y a une fille. Ça marche. Ah, t'es là, toi. T'as rien en cachette, toi. Combien de bornes? 200 000. Ah, c'est un 1600. Ouais. Putain, c'est quoi, là? Il croit pas que t'as fait contrôle. C'est pour la pression d'essence, c'est pour faire rouler l'éthanol. Non, mais... Ta vignette, elle y est pas, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Non, c'est moteur collection, t'as pas besoin. De ta vignette. Oui. Du contrôle, oui. Si, du contrôle, oui, mais la vignette, non.
Bon, bah c'est bien rentré. Hein. Mais elle était comme ça quand tu l'as passé en contrôle. Oui. C'est le collecteur, il est pas d'origine. Et t'as pas. Ah, oui, il y a rien de tout. Il n'a même pas regardé la voiture. Quand il l'a démarré, il a dû fermer les yeux. Il est pas parti. Mais moi, ça, je me Moi aussi, j'aurais mis dans le J'espère que les bises déjà de ta bonne porte. Ça commence. Ouais, ça sert à rien, laisse tomber, c'est ce que tu disais.